Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette présentation où nous parlerons bien évidemment de cette magnifique technologie de transport à cordes développée par Uniski String Technologies. Je suis très content de vous revoir une fois de plus en cette soirée. Alors, je suis bien évidemment Donatien Gérard et je suis tout d'abord enseignant de génie électrique. À côté de cela, je suis aussi speaker pour Skyworld Community en Afrique francophone et aussi j'ai le statut de master dans le programme de partenariat. Alors, dans ce webinaire de ce soir, nous aborderons les différents sujets suivants. Tout d'abord, nous parlerons du transport à cordes et de ses avantages. Nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui consiste à la destruction de l'environnement et donc les avantages qu'offre ce système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Nous parlerons des perspectives de votre participation au développement de ce transport innovant. Je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous enchaînerons avec quelques dernières nouvelles du projet et aussi les avantages et les perspectives que vous tirerez de votre participation à ce projet. Alors, qu'est-ce que U-Sky Transport? Il s'agit ici d'un système de transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Ces rails permettent donc d'éviter les embouteillages parce que ces rails sont au-dessus du sol. Aussi, la pollution. Le transport est alimenté à l'électricité. Il permet donc de ne pas polluer l'atmosphère. Il peut traverser les frontières, car ce transport peut être conçu sur toutes les zones climatiques avec n'importe quel type de terrain. Aujourd'hui, il y a quatre points majeurs qui font la force d'un système de transport. Tout d'abord, la sécurité. Ici, dans le système de transport à cordes, la structure de trajet est située au-dessus du sol. Cela augmente la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter tout facteur humain. Ensuite, l'écologie. Le transport U-Sky est alimenté par l'électricité et d'autres gaz respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants dans l'atmosphère. La production de toute infrastructure U-Sky demande beaucoup moins de matériaux et de matières premières que tout autre type de transport. U-Sky peut être construit dans tous les reliefs avec toutes les conditions climatiques en gardant néanmoins l'écosystème naturel. Parlons de l'économie. Les frais de construction des voies U-Sky sont jusqu'à 20 fois moins chers que pour tout autre type de transport. Les frais de combustible sont de 6 fois moins élevés que pour les autres types de transport. Par conséquent, le coût de voyage et de transport est plus bas. Et le dernier élément, c'est la vitesse de déplacement. Ce transport peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. C'est deux fois plus rapide que Sapsan, qui est le train le plus rapide de Russie, et jusqu'à 150 km par heure pour le transport urbain, deux fois plus vite que le bus, et jusqu'à 150 km par heure pour le transport de marchandises. Alors, l'un des défis pressants du secteur du transport aujourd'hui, c'est la croissance de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave les problèmes de congestion du trafic, d'accidents et de pollution. Les énormes embouteillages à l'entrée de la ville, des grandes villes, sont devenus une image courante pour les citadins. Dans ces conditions, il n'est donc guère possible de parler d'un trafic interurbain efficace de passagers. La construction de nouvelles routes ne résout pas le problème ni la situation, mais encourage seulement les gens à utiliser les transports privés. En conséquence, l'expansion du réseau routier provoque les embouteillages encore plus graves. Soit dit en passant, dans de nombreuses villes, la densité de développement et le nombre de routes
ont atteint une telle concentration qu'il est presque impossible de construire autre chose. Les artères de la circulation congestionnées sont devenues un problème insoluble. Voilà donc les problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés dans l'univers du transport. Les embouteillages, les accidents, la destruction de la nature, ainsi que les problèmes de pollution. Voici donc ce que Skyward Community offre. Uniski String Technologies, autant pour moi. Alors, la compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. Uniwind, Ubike, Ubus, Utruck. Ceci, c'est une image plus rapprochée de l'Uniwind, qui est un véhicule léger monorail de faible capacité. Ici, c'est aussi une autre image de l'Uniwind qui peut prendre deux places. Là, nous avons affaire à l'Unibike, qui est un véhicule électrique de tourisme léger hors bord monorail avec une capacité de deux places. Sa vitesse peut être poussée jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, ceci pourrait être une alternative à la voiture, au vélo ou à la moto. Ici encore, c'est une autre image de l'Unibike. Là, nous avons un Unibus, qui est un véhicule électrique de tourisme destiné au transport urbain et interurbain. Sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km par heure avec une capacité de 14 places. L'Unibus, un autre modèle. Ici, nous avons un Unicar, okay, qui a une vitesse de croisière qui peut aller jusqu'à 150 km par heure, qui est un véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels qui sont massifs et coûteux. Qui ne voudrait pas d'un système de transport pareil? Unicar, 3 fois 6 places donc. Celui-ci prend 18 places. Ici, c'est un autre Unicar en version tropicale qui a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable aux passagers. Donc, voici une image plus rapprochée de cet Unicar qui est actuellement présent au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Ici, nous avons l'image, OK, de deux leaders représentant national du projet au Cameroun, qui sont dans cet Unicar. Regardez comment l'intérieur de cet Unicar est luxueux et magnifique. Il fait beau vivre, ce n'est que de la joie. L'UFLASH. Ici, nous avons affaire à un véhicule électrique de tourisme suspendu sur roues en acier, conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance qui peut aller jusqu'à 10 000 km. Sa capacité est de 6 places et sa vitesse peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. Alors, ce U-Flash fonctionne pendant 25 ans. Et ceci, ce U-Flash, pour un fonctionnement pendant 25 ans, peut permettre d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant. C'est un coût de 20 millions de dollars. Ainsi donc, 1000 U-Flash avec l'aérodynamique unique et les propriétaires peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de 20 milliards de dollars. À la fois, plus de 70 millions de tonnes d'oxygène atmosphérique ne seraient pas brûlées. Et plus de 100 millions de tonnes de polluants ne seraient pas rejetées dans l'atmosphère. Donc, voici quelques images devant cet Uniflash, qui est un véhicule magnifique. Alors, ici, nous avons affaire à l'Uniwind, à l'Unicontre, autant pour moi, Uniflash et l'Unitruck. Pour le transport de marchandises, ces trois véhicules sont uniquement pour les transports de marchandises. Parlons donc de l'Unitruck. Voici donc une image plus rapprochée de l'Unitruck. Regardez comment c'est magnifique.
Alors, ce véhicule est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure avec un chargement et déchargement automatique. Ça prend au plus 5 minutes. Alors, ici, nous avons affaire à un unique compte qui est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 et 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Les chargements et déchargements aussi automatiques. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par des systèmes de contrôle automatisés. Alors là, nous avons un Unitrans, okay, qui est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terminaux portuaires maritimes. Pour cela, vous devez effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux en vrac, tels que du sable et des petits cailloux. La longueur de l'itinéraire n'est pas limitée et garantit une sécurité élevée du matériel transporté. Utrans peut être associé à la gamme Utruc, ce qui étend considérablement son domaine d'application. Le port maritime. Les principaux avantages de l'utilisation des systèmes de transport de marchandises du U-Sky dans les ports maritimes sont tout d'abord la livraison de marchandises en vrac, liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km au plus de la côte. Ensuite, l'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs de quai, de dragage ou de renforcement à terre. Il est possible de livrer des marchandises au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portuaire et les systèmes de transport jusqu'à forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison de marchandises. Le transport implique la livraison de marchandises d'une entreprise minière à la cale d'un vraquier sans stockage intermédiaire. Les villes linéaires en union avec la nature. Ces pistes U-Sky contribuent au développement des villes linéaires. Ces villes linéaires peuvent être construites dans les montagnes, les zones désertiques et même inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur des plateaux marins. Ici, nous avons affaire à U-House, maison écologique verte et durable, la seule actuellement aux Émirats arabes unis entièrement construite en bois. Les maisons en bois sont une alternative plus économique et écologique que les maisons traditionnelles en briques et même en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit les tendances et les normes mondiales. La compagnie propose plusieurs véhicules, tout simplifié pour le transport. Comment fonctionne donc cette technologie? Voyons voir. Alors, cette technologie fonctionne principalement grâce à un câble en acier solide. Voici la composition de ce câble. Nous avons tout d'abord la tête du rail et à l'intérieur, nous avons des points blancs que vous voyez là qui sont des cordes, qui sont des fils d'acier tendus. OK? Et en bas, nous avons la remplisseuse qui est un béton flexible. Nous avons ce qui l'entoure, qui est le corps du rail. La base de la technologie Sky est le rail à cordes. Ce rail à cordes que vous voyez est 5 fois plus et 3 fois plus fort que les rails conventionnels. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec des terrains difficiles, des sols faibles et le pergélisol, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre. Vous imaginez? C'est énorme. C'est totalement énorme. Alors, dans cette technologie, ok, sur la base de ce transport à cordes, nous avons trois types de trajets qui peuvent être construits. Des trajets flexibles qui peuvent supporter des charges utiles standard de 20 tonnes, un mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et une grande portée jusqu'à 2 km et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes composites.
À côté des transports, des lignes flexibles, nous avons des lignes rigides. OK? Pour le transport des grands poids jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse, et celui-ci va se situer entre les villes ou la ville et l'aéroport, et c'est un mode de transport à grande vitesse, jusqu'à 500 km par heure. Ensuite, nous avons le transport à les cordes semi-rigides, voilà, qui peuvent supporter des charges améliorées jusqu'à 30 tonnes, avec un mode de vitesse rapide jusqu'à 350 km par heure et une petite portée jusqu'à 50 mètres. Le moteur du U-Sky est celui-ci. OK? Ce moteur peut fonctionner au gaz naturel, au méthane, à l'hydrogène et à d'autres gaz respectueux de l'environnement également, et aussi à l'électricité. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci est conçu par le docteur Anatoly Yunitsky et il a reçu un brevet pour cela. Voici donc quelques avantages de ce transport. Regardez. Lorsque une voiture roule et l'air peine à circuler normalement, voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont une aérodynamique de 0,2. Avec les engins U-Sky, l'air circule normalement en dessus et au-dessous, ce qui permet d'aller plus vite. Et son aérodynamique est, comme on peut le voir, jusqu'à. Voilà, son aérodynamisme est comme on peut le voir jusqu'à 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. OK? Pour cette raison, donc, ce véhicule peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Jusqu'à surpasse les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas. La maintenance est très basse aussi, la consommation d'énergie est très basse et la capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que ce transport est le système de transport le plus rentable. Alors, sur cette image, on peut clairement voir une comparaison du transport à cordes avec d'autres transports modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Alors, ici, nous avons le transport à cordes, OK, qui est 10 fois moins cher, on peut le voir sur la dernière colonne, que tous les autres systèmes de transport existants. C'est énorme. 10 fois moins cher, vous vous rendez compte. Que ce soit le monorail, le train à lévitation magnétique, il est 10 fois moins cher que ces systèmes de transport. Alors, l'auteur de la technologie, qui est-ce? C'est ce monsieur, à tout seigneur, tout honneur, j'aime bien le dire. Il est créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur les technologies de cordes. Il est chef de deux projets, OK? Il a été chef de deux projets de l'ONU en 1998 et en 2020, et à 2002. Et aussi, il est membre de la Fédération cosmonautique de l'URSS. Fondateur du groupe de société IST, concepteur général d'Unisky String Technologies. Alors, les premiers complexes de rails à cordes et de la première génération a été construit en 2001 dans la ville d'Oziori. À cette époque, un camion ZIL 131 était utilisé, OK, comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. OK, vous voyez le monsieur qui est ici, c'est Anatoly Yunitsky. Il était encore tout jeune. Je vous rappelle qu'il travaille sur cette technologie depuis plus de 40 ans. C'est le projet de toute une vie. Quelques brevets et certificats et expositions aussi auxquelles l'entreprise a participé. Il faut savoir que l'entreprise aujourd'hui a déjà reçu un certificat pour le système de gestion selon la norme internationale ISO 9001-2015. OK, voici ce certificat qui était tenu dans le slide précédent. OK, certificat international confirmant la conformité du système de gestion de la qualité appliquée pour le transport à cordes. L'entreprise aussi a déjà obtenu plusieurs brevets et plusieurs récompenses, comme vous pouvez voir sur cette image.
Le transport à cordes aux Émirats arabes unis également a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. de Sharjah en 2021. La technologie a été certifiée aux Émirats arabes unis. Voilà donc ce certificat que tenait fièrement le CEO sur le slide précédent. Alors, la technologie aussi est inscrite, OK, UST Inc., l'entreprise qui développe la technologie, est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. C'est une autre confirmation, OK, que cette technologie, que cette entreprise est fiable et consciencieuse pour les activités commerciales en Biélorussie et aussi à l'étranger. Voici ce document. La Chambre de commerce biélorusse. OK. Uniskistring Technologies a obtenu aussi le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. Plus de 100 brevets dans le monde, de la Chine à l'Australie, cette technologie a. Et elle a déjà été présente dans plus de 20 expositions internationales durant les 7 dernières années. OK? Comme on peut le voir ici, les différentes expositions où cette technologie a toujours été présente et a attiré l'attention de tous ceux qui étaient là de façon positive. Parce qu'ils se sont demandé, mais quelle est cette technologie? Certains pensent même que c'est une fusée, mais non, cette technologie, c'est le transport à cordes. Une toute nouvelle technologie qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport et s'apprête à occuper plus de 50% de ce marché. Alors, la délégation des autorités et des routes de Dubaï, le transport de Dubaï, a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au salon InnoTrans en 2022 à Berlin. Nous vous rappelons que la préparation de l'appel d'offres RTA pour les constructions de routes de Dubaï est en cours. Parmi les 30 participants, 5 offres ont déjà été sélectionnées, parmi lesquelles le transport à cordes. Quelques productions donc et résultats. Alors, Uniskistring Technologies a réussi l'audit. Les résultats de l'audit pour 2022 montrent que Uniskistring Technologies a atteint l'autofinancement. Alors, UST Inc. a passé un audit annuel des comptes conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie sur les activités d'audit et les règles nationales d'audit selon la conclusion du SAL, Finexpertisable Audit. UST Inc. a atteint l'autofinancement. Et cela pour la première fois depuis sa fondation. En outre, la société a considérablement augmenté la taille de ses actifs en 2022. Selon l'audit, les états comptables reflètent fidèlement dans tous les aspects importants, la situation financière de la société au 31 décembre 2022. Les résultats financiers de ses activités et l'évolution de la situation financière, y compris les flux de trésorerie pour l'année terminée à cette date, conformément à la législation biélorusse. Sur la base des résultats financiers et économiques, en 2022, UST a réalisé un bénéfice, ce qui a permis à l'entreprise d'atteindre donc le taux financement. Très bonne nouvelle déjà pour tous ceux qui sont dans ce projet et qui détiennent une portion de cette technologie. Les solutions UST ont passionné les représentants de la société de transport de Malaisie. Après l'exposition Mobility Live mi-2023, il y a eu une visite des délégués de Malaisie au centre YouSky. Le consultant exécutif et le contrôleur financier d'un groupe important de sociétés de Malaisie
sont venus au siège du centre pour comprendre quelle est cette technologie et prendre connaissance des solutions UST. Sur les 32 millions d'habitants de la Malaisie, près de 25 millions vivent dans des villes. Cela explique le grand nombre de voitures et de motos dans les grandes agglomérations. Les systèmes UST peuvent contribuer efficacement à résoudre les principaux problèmes de transport malaisien. Réduire le nombre de véhicules personnels sur les routes, le nombre d'embouteillages et d'accidents, ainsi que de réduire la pollution de l'environnement. Alors, une autre excursion pour les écoliers a eu lieu à l'Écotechnoparc. Les étudiants de l'école technique de la région Rogativo ont visité le centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Ont visité autant pour moi l'Écotechnoparc, ok, à Marina Gorka. Les invités ont fait connaissance des complexes de transport et infrastructures et autres écotechnologies de l'Écotechnoparc. L'attention des visiteurs a été attirée par l'automobile ZIL 131. Échantillon du pilote de transport, nous l'avons vu précédemment dans la présentation. Les écoliers ont appris que ce véhicule muni de roues adaptées avait une utilité en tant que modèle de test à Ozeri, dans la région de Moscou. C'est là qu'on avait construit les premiers chantiers d'essai de la technologie UST. On a raconté aux invités que l'Écotechnoparc transmet la philosophie de la société, la création des systèmes de transport écologique fiables grâce à la transmission de transport sur le second niveau. Les pistes se trouvent au-dessus du sol. Ces étudiants ont pu évaluer le confort des unimobiles et apprendre que les complexes de transport et infrastructures peuvent diminuer la charge des routes, aussi bien que relier les différentes parties de la ville. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir aussi aujourd'hui? Voici donc un bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en capitale de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Nous avons aussi une zone de production, ok? Et le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clés du transport à cordes. Ici, c'est une autre image de la zone extension de production en Biélorussie. Voici donc une image du centre de l'Écotechnoparc, qui est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration des technologies innovante du Niski String Technologies. Il est situé à Marina Gorka, couvrant une superficie de plus de 36 hectares. D'autres images de cet écotechnoparc. Et là, on peut voir, il y a des étangs. Ces étangs, il y a des poissons qui y vivent. Et à chaque fois qu'il y a une délégation qui s'y rend, généralement, c'est des poissons sont pêchés là et leur sont servis comme repas, afin qu'eux-mêmes comprennent l'écologie, l'esprit écologique de ce système de transport. Alors, d'autres images magnifiques de cet écotechnoparc. Donc, notre entreprise combine aujourd'hui plus de 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études et de technologies spécialisé avec production pilote. Un bâtiment et 36 bâtiments et structures, plus de 3 000 unités de machines et d'équipements sur une superficie de plus de 36 hectares. Alors, à côté de cela, nous avons un deuxième centre de test qui est à Sharjah sur plus de 28 hectares. OK? Et ici, nous avons l'équipe qui travaille pour Uniski String Technologies. L'équipe d'Uniski String Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation, une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises du monde. À Sharjah, lorsque vous arrivez au Centre de recherche et d'innovation technologique, vous voyez cette plaque qui vous indique le centre de recherche où la technologie U-Sky est en plein test. Donc, ici, c'est une image
du Sharjah, Research Technology and Innovation Park. Transport net a pour coût 1 dollar pour 100 tonnes par kilomètre. C'est carrément moins cher que les solutions existantes. Alors, les gens se demandent où se trouvent les locaux et comment faire pour pouvoir faire un tour dans ce centre éco-technoparc ou centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah. Alors, voici le numéro pour aller faire un tour au centre de recherche à l'éco-technoparc en Biélorussie, dans la ville de Marina Gorka. Et à côté de cela, vous avez aussi, autant pour moi, ici c'est pour à Sharjah aux Émirats Arabes Unis et ici à Marina Gorka en Biélorussie. Alors, le magnifique nouveau site web du Niskitin Technologies a changé le nom de domaine et actuellement, pour pouvoir y accéder, il suffit juste de taper ust.inc/. Alors, rejoignez le projet aujourd'hui. Nous sommes déjà à la dernière étape de développement de ce projet, la 15e étape. Et l'entreprise a déclaré que d'ici, selon sa feuille de route, les premières dividendes commenceront d'ici 2025. Pourquoi parler des dividendes? Continuons la présentation et vous comprendrez pourquoi. Mais sachez que nous sommes déjà au dernier tournant et si vous ratez cette opportunité aujourd'hui, vous ne l'aurez plus jamais. Tout le monde peut participer à ce projet. Tout le monde, à partir d'un montant minimum de 50 dollars sur 5 mois. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes à travers le monde qui sont dans cette technologie, qui travaillent pour le développement de cette technologie. Des perspectives d'investissement dans le projet. Tout d'abord, des dividendes. La mise en œuvre réussie des projets de l'entreprise vous donnent droit à des dividendes. Des dividendes. 20% des bénéfices de l'entreprise seront répartis sous forme de dividendes. Alors, le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer le rachat des parts comme elle a fait en 2018 ou 2020. Les investisseurs ont eu la possibilité de revendre les parts à plusieurs fois rentable. Donc, ceci pourrait encore arriver. L'héritage. Les parts que vous avez sont votre propriété et vous pouvez les léguer à vos enfants, petits-enfants en héritage. La bourse. L'entreprise plus tard peut prévoir d'entrer sur le marché boursier. OK? Et à ce moment, vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché-là. Donc, suivez-nous. OK? Suivez le projet sur nos réseaux sociaux, comme Facebook, Fécanté et Instagram. Merci bien pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres merveilleuses nouvelles du projet. Portez-vous bien.